Bonjour messieurs et dames, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Donc la recette du flan pâtissier. Donc là j'ai installé ma pâte feuilletée que j'ai piquée. Et donc le temps que je prépare l'appareil du flan, je le mets au frais. Toujours préparer votre tôle à flan. Toujours. J'ai mis un chauffage d'appoint. Voilà. Donc là, j'ai mis le lait dans une casserole. Voilà. Pour la préparation, quand je vais finir ça. Alors écoutez, je vais prendre des sachets de vanille. Je vais utiliser ma gousse de vanille tout de suite. Je vais mettre 3 sachets dans le lait. Alors, hop, il me faut des petites choses pour préparer. Hop. J'espère que vous allez bien. J'essuie toujours, même si c'est propre et si ça a été essuyé. Je réessuie, la fourchette elle est propre. J'ai juste piqué. Hop, voilà. Alors j'ai décidé de mettre 4 œufs. Merci mesdames. Donc, je vais mettre 4 œufs. Hop. Je les sépare. Je les casse toujours avant de les mettre dans le plat. C'est mieux. Imaginez, vous finissez même que ce soit tout gâteau et qu'il y a un jaune qui est blanc ou vert. Ça peut arriver, hein. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais mes poules avant. C'est pour ça que maintenant, je fais comme ça. Hop, voilà. Donc là, j'en ai plus de ma cuillère. Hop. Claque d'œuf. Ça va dire que les œufs. Voilà. Et pour finir la recette. Après, je vais peut-être faire des petites crêpes, manger en salé ou en sucré, je vois. Je vais vous garder aussi dans ce vlog de maman avec moi. Donc, sucre, vous mettez à peu près... vous mettez à peu près 120 grammes. Hein. Donc, vous mettez à peu près 120 grammes de sucre, voilà, c'est ce qu'il y a. Une cuillère à soupe, normalement ça fait 30 grammes, donc il faut bien 4 cuillères. Moi je fais au pif, mais là je pense que hop, je mets tout, c'est tout bon. Mais mettez 120 grammes, donc si vous avez la sucre 150 grammes, ça c'est après suivant. Suivant si on aime sucré ou un peu moins. Donc on fait attention. Alors la maïzena, c'est ce qu'il nous faut. Alors prévoyez 90 grammes de maïzena. Donc là je vais blanchir de mon fer. Tiédir mon lait maintenant. Voilà, c'est bien. Je vais mettre les sachets de vanille. 3 sachets de vanille pour 1 litre de lait. Mais moi j'adore la vanille, donc
J'en ai trois pour les trois quarts d'un litre de lait. Même des fois quatre. Et moi, je vais en rajouter un autre. J'adore vraiment le goût de vanille. Donc, moi, j'en ai quatre. Vous allez me laisser beaucoup. Bam. C'est ce que je vous ai dit, hein, chacun. Je préfère sentir la vanille que ce soit sucré. Et que ce soit le sucre qui prenne le goût. Hop. Là, j'en ai mis sur le gaz. Bon, c'est pas grave. Il faudra que je nettoie. Ça va être la matinée recette. Alors, la maïzena. C'est très simple. Hein. Après, ce qui est un petit peu plus compliqué, qu'il ne faut pas rater, c'est bien sûr quand on remue hein, avec le lait. Alors là, c'est pareil. Moi, c'est à l'œil. Hein. Je suis désolée, mais c'est tellement l'habitude. Voilà. Hop, 90 grammes. J'ai toujours fait des pâtisseries, des pâtisseries, des pâtisseries. Et je vous dis les doses qu'il faut hein, en même temps. Voilà. Toujours, je conseille d'avoir deux fouets en cuisine. Chauffer encore. Voilà. Mon deuxième fouet. J'ai pas goûté. Je vais mettre un tout petit peu de sucre. Donc, peut-être mettre, oui, 150 grammes de sucre. Je vais faire des crèmes brûlées cette semaine, messieurs, mesdames. Je vous mettrai la recette, c'est vraiment très, très facile. Hein. C'est pareil. Alors là, j'ai saupoudré un petit peu comme ça, tac, voilà. En vidéo, on mélange. Voilà. Et on regoute. Toujours. Impeccable. Le lait Italie. On a bien le petit café. T'as fini? Il pleut là ou c'est quel temps là? Oui, oui il y a ce, c'est la petite goutte, mais c'est chiant, que ça transperce. Pim. Quelle vidéo? Oui, c'est vrai, mais bon. Ouais, chose que j'ai pas fait, j'ai pas mouillé ma casserole pour que ça évite le lait colle à la paroi. Alors, astuce, si vous voulez pas que votre lait colle. Tout simplement au bord de la casserole, vous mettez un petit peu d'eau, vous mouillez votre casserole tout simplement. Alors là, on va verser tout doucement et après, vous mettez tout dans la casserole.
pour le pour embêter. Est-ce que je rince? On peut toujours réparer. Est-ce qu'on n'a pas fait comme une tour de riz? Hop. Et vous voyez, pas de casserole. Et j'ai vu ça sur une recette ce matin de Norbert. Hop, il a des bonnes astuces. Je sais pas si vous connaissez. Bon, certainement. Hop. Et on remet tout dans la casserole pour la remuer sans arrêter. Là, c'est le plus compliqué. La partie la plus difficile du flan, en fait. Voilà. J'ai posé la caméra à côté de moi. Je mets à feu moyen. J'ai 200 slaps. Moi, je ne suis pas habillée. C'est un week-end. Voilà. Alors, c'est le week-end. Et on va mettre. Et là, il ne faut pas arrêter. Après, quand tu auras fini, t'es pas un petit peu trop fort. Et on ne lâche rien. Ça peut durer un petit moment. Toujours faire préchauffer votre four avant. Donc là, je l'ai mis à 200 degrés. Maintenant, c'est un peu la recette de Norbert, sauf que. J'ai pas fait la pâte. Ah non, toujours de ce sens-là. Là, j'ai pas fait la pâte, mais je vais essayer les prochaines recettes à faire les pâtes. Comme ça, ça va me faire ressortir mon robot, qui est presque tout neuf, de Monsieur Cuisine. Et ouais, j'ai fait que des gougères dedans. Donc. Pas arrêter hein, quand vous faites préparer le flan. C'est la partie un peu pas difficile, parce que c'est pas difficile de mélanger. Et si vous avez mal au poignet, faites pas un flan. Merci, madame. Il y a la prémisse qui est au fond, ça commence. Moi, j'ai envie de boire mon petit café. Mon ami est en train de faire de la mécanique dehors. J'ai ma voiture qui a j'ai un problème de vanne EGR comme tous les ans. Donc c'est son métier, le mécanicien. Donc vous allez au garage, c'est 900 euros une vanne EGR. Ah oui, quand même. Peut-être un peu plus cher maintenant. Et du coup, là, il me la souffle, il me la nettoie, chose qu'une femme ne sait pas. Vous emmenez votre voiture au garage et les mécaniciens, ils disent, bon, ben, ça fait tant, vous êtes d'accord? Ben oui, pas le choix, elle ne roule plus la voiture. Hein. Parce que la voiture, elle se stoppe. Hein. Donc, c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour en revenant de chez mon kiné. Il y a qu'un petit souci, il faut faire ce qu'il faut, je vous le dis tout le temps. Il m'a resté 100 mètres, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir rentrer. Bon, j'ai l'assurance 0 km, mais. Donc, du coup, là, il va nettoyer ma vanne EGR et faire partir pour un tour. Me recharger ma batterie. Ma voiture, elle, bon, elle dort dehors, hein, mais elle n'aime pas du tout l'hiver et puis elle a de l'âge. Hein. C'est un Zafira. Donc, voilà. N'arrête pas. Hein. Et même, on n'aura pas le temps de tout faire. Hein. On doit mettre les étagères dans mon bureau. Je ne sais pas si ça va être fait. Je ne sais pas fait. Je ne sais pas fait.
Oh là là. Ah, vous lâchez rien. Hein. J'ai pas bu encore mon café. Feu moyen. J'ai regardé Norbert ce matin, il y a plusieurs recettes. J'ai eu un doute de l'appareil, de ce qu'il fallait mettre. Il y en a qui mettent de la crème, il y en a qui enlèvent, qui mettent que le jaune d'œuf. Voilà. Et en plus de bien remélanger comme ça, ça enlève les... Ce qu'elle a dit, Norbert. Ça enlève l'amidon. Non. Ah, je sais plus ce qu'elle a dit. Vous avez peut-être moi dans les commentaires. Je lâche rien. C'est la phase un peu... Hein? Il faudrait une troisième main. Un four chaud, bien à 200 degrés. Hein? Ça commence à s'épaissir, c'est cool. Mon petit café. Hein? Je vais faire des crêpes et ouais, je ferai des crèmes brûlées moi bon, c'est trop bon cette semaine. J'ai un emploi du temps, on va dire bien, mais je peux faire des choses, donc c'est bien aussi. Et mardi on n'est pas là de toute façon, on est la journée à l'hôpital pour mon ami. Ces examens complémentaires. Vous savez ce que j'ai pensé, c'est que j'ai pas mis de sucre dans ma préparation. Dans le lait. Pour ça que ça a du mal à monter peut-être. Mais ça va aller quand même. Parce que de toute façon là c'est... J'en rajoute un peu, mais j'ai pas envie. Non, ça s'épaissit. J'ai pas mis de sucre dans le lait. J'ai pas mis de sucre dans le lait. Bon, bah écoutez. Et ça s'épaissit, hein, c'est bien. Mais moi, hein, ça sera pas trop sucré. Mais bon, je vais goûter après, toujours. Alors, il faut mettre au frais. J'ai vu. Ça y est, ça s'épaissit, c'est cool. Ça vaut le coup de ne pas arrêter. Hein. Je vais vous montrer. Et comme ça s'épaissit, ça vaut le coup. Ça existe en sachet tout fait, vous savez là. Déjà que je fais pas la pâte. Voilà, hop, je coupe, je coupe, je coupe. Je coupe. Le chef, il dit de mettre au frais. Là, c'est vraiment chaud. Et d'avoir remouillé ma casserole, je vous montre. Du coup, ça fait pas de croûte de lait. Magnifique. Après, vous pouvez mettre des raisins dedans si vous aimez. Moi, j'aime ça, mais là, c'est pour que... En même temps... Chérie va en emmener à son travail. Donc, on va en emmener 4 parts. Donc là, il faudrait que j'y mette dans un autre plat. Ça, c'est l'inconvénient aussi de la cuisine. C'est que... Voilà, c'est loin maintenant. Hop, oui, transvasé. Voilà. Ça n'a pas collé, je vais vous montrer. C'est magnifique, j'adore. Je vais la filmer au contact et la mettre au frais. Et après, je vais la retravailler. Ah, c'est ça. La cuisine, enfin la pâtisserie, c'est des moments de pause. Là, comme ça, vous pouvez faire autre chose. J'ai préparé ma pâte à crêpes. Et je vais faire du...
du DP. Quand j'aurai tout fini, ça aurait bien mérité ma pause. Regardez, c'est impeccable. Ça n'a pas collé. C'est impeccable. Et ça vaut le coup de la faire, même s'il faut tourner pendant 5-6 minutes. Mais mouillez bien. Hop. Alors là, je vais t'offrir. Vous voyez un petit peu, je suis un peu en pyjama, un peu. Ben, je suis en pyjama. C'est le week-end. Vous avez vu comme elle est belle? Je suis contente. Hop, on la met au frais. Faut pas se presser en pâtisserie. Hein? Quand on fait du pain, on pâte. Mais oui, je vais. Et c'est, vous avez vu comme elle est belle? Magnifique! Vraiment, puis elle se tient super bien. Alors, un film au contact, ça s'appelle. Hop, pour pas que ça croûte. Vous mettez au contact de tout ça. Voilà. Je voulais vous refaire la recette. Je l'avais fait déjà une fois. Ma chaîne, il me semble. Moi, des fois, ça là, c'est je vais dire que c'est un vlog. Hein, voilà, hop, voyez, hop, c'est filmé. J'y mets au frais une demi-heure. Hein. Donc, soit je vous garde avec moi, oui, je vous garde avec moi pour faire la pâte à crêpes, ou je vais couper. Pas. Ouais. De la place parce que Sandra, c'est bien beau de faire faire. J'ai encore des tiramisu. Hop, voilà. Magnifique. Alors le lait, il m'en reste là aussi. Bon, je vais faire ma vaisselle, je coupe tout, je vais préparer. Je vais faire ma vaisselle, messieurs, mesdames, et je reprendrai quand ma pâte à crêpes aura reposé et que je ferai les crêpes avec vous. Donc là, une demi-heure, enfin, le four il va être vraiment chaud. Bon, ouais, c'est pas grave, au moins il sera vraiment chaud. Ça va vraiment lever tout de suite. pour moi, pour vous, à peu près dans une demi-heure, je vais voir. Et pour vous, à tout de suite. Donc, une heure a passé. Messieurs, mesdames, j'enlève le film. Hop. Voilà. Je vais remélanger donc la crème, je la remélange. Elle est dure, forcément. Je la remélange. Voilà. Voilà. Elle est magnifique. Je vais la goûter. Très bonne. Ma pâte est froide. Je mets tout dedans. Voilà. Et moi, je vais me faire un plaisir à finir. À finir le plat. Ça, je n'ai pas changé depuis que je suis petite, j'adorais ramasser. Hop, c'est pas le moment que ça s'enlève, ça. Voilà, bon, ça c'est pour moi. Hop, alors là c'est le qui s'est enlevé.
quand il faut pas, mais toujours. Une cuillère. C'est... Vous avez vu comme elle est magnifique. Franchement, bon, je sais, j'aurais pu faire ma pâte. Je sais. je sais, mais peut-être qu'une prochaine recette, je ferai ma pâte. Comme ça, j'utiliserai aussi mon robot. Hop, bien étalé au bord. Voilà. C'est pas dans les moules d'un chef, mais bon, ça fait une tarte flan. Un flan, quoi. Hein. On peut dire un flan. Hop, bien mettre sur les bords. Voilà, j'ai préparé en même temps. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait mes crêpes. Je vais vous les montrer. Alors, vous voyez ma vaisselle qui est là. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. Puis ça sent la vanille. 4 sachets. Normalement, c'est 3 sachets pour Ali, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour moi. Vous dire que le four est chaud parce que je l'ai vraiment trop mis à l'avance, mais en même temps ça chauffe la maison. Voilà, là c'est parti pour 40 minutes ou 35. Je vais mettre mon minuteur. Siri, 35 minutes. J'ai une étape. Oh là là. C'est mon téléphone. Bon. Ça, c'est bon. Alors, mes crêpes, j'en ai fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 crêpes. Alors, pour les crêpes, 4 œufs. 4 œufs, je mets la moitié d'un litre de lait. Je fais pas trop épaisse hein, la pâte. Je mets allez, 100. C'est au pif aussi. C'est 100 g de farine ou 150. Je couvre. Déjà, ce que je fais, je mets mes 4 œufs. Je mets juste une cuillère à café de sucre. Je blanchis mes 4 œufs. Je mets à peu près 100-120 g, peut-être plus 150 g de farine, T45. Je remue, je mets du lait, donc 1 ml, et je mets l'équivalent d'un pot de yaourt d'huile de tournesol. Je laisse reposer une demi-heure. Voilà, puis on fait les crêpes. Voilà, messieurs, mesdames. Bon, bah, je vous reprends quand c'est cuit. Quand Alexa aura dit que c'est cuit. Et faut que je regarde pour faire. Soit je vais. Vous verrez quand j'aurai fini. Mais.
Voilà, le flan est terminé. Donc, 30 minutes. Donc là, j'ai commencé à faire la brillance sur le flan. Moi, je prends la confiture d'abricot. Ça, c'est tout à chacun. Je mets 2 grosses cuillères dans une tasse, 1 minute au micro-ondes. Et j'en mets tout partout pour faire briller. Si vous n'aimez pas l'abricot, bah faites une brillance au sucre. Vous trouvez la recette sur internet. Moi, j'aime bien avec de l'abricot. Voilà, c'est fini de toute façon. C'est vrai, comme disait mon ami, c'est ça colle après, ouais, c'est vrai, mais bon. Et bah, il reste un petit peu de confiture. Bon, bah voilà. Donc, 8 parts, 8 belles parts, 8 à 10 parts. Hein. Voilà. Magnifique. Je vais faire des petites photos, je vais faire le montage. Je vais vous montrer aussi où j'en suis dans mon DP. J'ai bien travaillé, enfin je pense. Alors, je vais vous montrer ma petite organisation en même temps. Parce que j'ai eu en cadeau une valise de rangement. Alors, hop, je baisse comme ça. On va tout voir. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, j'ai ma petite valise avec les petites affaires qui sont dedans. Attends, je vais prendre le temps. J'ai tout posé. C'est dans la caméra. Alors, je vais déjà vous montrer le DP, comme il a bien avancé. J'en suis à la moitié, mais pas vraiment, hein, encore. Tout là, c'est fait. On y voit, ça brille. Hein. Tout là, c'est fait. Là aussi. Je vais attaquer la moitié de là. Hop, il y a cette partie là de fait. Voilà. Chérie a commencé en bas. Là. Vous voyez. Et encore un petit peu de travail. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que, vous voyez. Alors, il y a des R, des S, des chiffres. Hop, vous voyez? Alors, il peut y avoir un R et un S dans les verres. Alors, j'y fais qu'avec un stylo comme ça, tout seul. Parce que sinon, on ne peut pas. Il est trop compliqué celui-là. Mais je vais le finir. Alors, j'ai eu en cadeau, donc la petite valise comme ça, j'ai remis ça là, elle a duré un peu la vidéo, mais c'est pas bien grave. Hop, voilà. 19,90 il me semble, la petite valise sur Amazon, comme ça. On n'est pas obligé, mais moi j'ai mis toutes les petites perles comme ça. Hop, j'ai tout numéroté de 1 à 7 là pour moi pour le coup. Vous voyez, 7, 8 et de A à Y. Voilà, et puis encore tout ça pour le deuxième DP que j'ai. Elle va finir celui-là, on va le finir. Et puis là-dedans, il y a
Il y a des petites choses comme ça pour prendre les petits diamants. Voilà, là, pour. Alors, ça, c'est pratique. Petit entonnoir, hop, pour donc vider les petits sachets de perles. Et vous prenez ça. Je prends un petit peu de temps pour vous montrer. Vous prenez une petite boîte comme ça, vous mettez comme ça et ça tombe dedans. Donc sur Amazon, à peine 20 euros, hein, le kit, l'ensemble. Voilà. Je vais prendre le pilulier, puis chérie, il a dit non. Je vais prendre quelque chose. Donc il y a tout ça dans... Là, il y a une petite raclette, là. Un petit pinceau aussi, là. Voilà. Il y a des petites choses comme ça aussi que peut mettre plusieurs perles. Mais moi, pour celui-là d'épée, pas évident. Ça, c'est pour. C'est la colle que. Hop, vous prenez comme ça. Pour prendre les diamants. Non, c'est super. Ça, je ne sais plus pourquoi c'est fait. Pour agrandir ça peut-être, non même pas, ou pour mettre sur un stylo, je sais pas encore, je débute moi. Donc j'ai bien mis la petite pince, et je pense que ça pour les petits les diamants ronds, parce que moi ils sont plats, c'est pas mal. Les petits sacs d'avance pour quand il reste des diamants que je remettrai après dans les petites boîtes. Dites-moi si ça vous plaît, mesdames, ceux qui en font, qui je fais à coucou. Mais moi, ça me détend. Il y en a qui sont très patients, mais moi, ça me détend. Donc là, j'ai fini ma cuisine. C'est tout bon. Encore un cake si je veux à faire, mais j'en ai marre, donc j'arrête. Je vais vous téléverser la vidéo, faire le montage. Chérie est en train de mettre les étagères dans mon bureau. Hein? Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Moi, j'ai continué. Hop, mais là, je vais continuer encore dans le marron. Vous voyez? Je vous montre... je n'avais pas fait attention à ces petits détails, mais c'est vrai que c'est hyper long. Parce qu'il faut changer à chaque fois de numéro ou de lettre. Alors c'est pour ça, c'est bien dans les petites boîtes comme ça. Moi qui adore les papillons, vous avez vu. Sur Amazon. Hein. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse. Je vous dis un bon dimanche à tous et à toutes. Mettez les petits pouces, abonnez-vous, partagez entre amis et famille. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!